Alors je vais vous montrer une zone où le VTT électrique Fat Bike est vraiment approprié. Donc c'est une zone où il y a beaucoup de cailloux petits et de moyenne taille, voire un peu plus gros, un peu comme dans un lit de rivière. Et en fait, la particularité de l'avantage du fat bike dans ces conditions-là et le modèle électrique, c'est que c'est super stable. On passe sans vraiment guidonner, sans faire trop d'efforts pour orienter le vélo et le maintenir sur son cap. Vous allez voir, c'est assez sympa. Je suis sur le mode sport du système Bosch. Voilà, j'ai pas fourni vraiment d'efforts. La petite dose de puissance qu'il faut donner pour maintenir le cap, et ben c'est le système électrique Bosch qui le fournit. Moi, j'ai juste à orienter le vélo et à fournir un petit effort pour qu'il avance. Et les pneus du fat bike, malgré le fait que c'est un cadre en aluminium, qu'il est assez lourd par rapport à un VTT classique, et qu'il a une fourche qui offre peu de débattement, centaines de millimètres, et ben je suis assis sur le vélo et je trouve que c'est plutôt confortable. Je progresse assez aisément sans rencontrer trop de difficultés. Et là, c'est un réel avantage. Parce que faut pas oublier que faire du vélo, c'est aussi prendre du plaisir. Je pense que dans ces conditions-là, ce type de chemin, le fat bike électrique, est un peu plus approprié qu'un VTT électrique avec des pneus moins larges. Donc, je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a en haut de la crête. Et après, je ferai demi-tour pour pique-niquer. On va croiser les gens, on va voir ce qu'ils disent. Yes. Bonjour. L'avantage du vélo électrique, on monte facilement. Thank you.
mode sport. Allez, on va voir ce que ça donne, ce petit raidillon là. Il me plaît bien. Et tard, j'ai passé ça avec une facilité quand même assez déconcertante. Alors là, je respire quand même un peu, hein. C'est quand même un peu physique. Mais franchement, ça monte du tonnerre. Et voilà, j'arrive en crête. Bonjour. Excentricité, mais c'était pas la bienvenue. Yes, super. Regardez comme c'est beau. Alors dans ces cas-là, je parle moins fort parce que il y a le respect quand même. Magnifique cette vallée là-bas, hein. Super beau. Et le petit lac. Ça, j'aurais jamais pu le faire en si peu de temps avec mon VTT. Normal, performant certes, mais qui permet pas de atteindre ces lieux aussi facilement et avec peu d'entraînement en plus. Donc c'est tout bénef. Il faudrait simplement que les modèles qui offrent quand même de bonnes performances soient un peu moins onéreux à l'achat.